Nous allons voir ici comment déterminer la valeur du coefficient de frottement petit f à partir de la lecture d'un diagramme de Moody. Supposons que l'on sache que le nombre de Reynolds est égal à 3 à 10 puissance 4 et que la rugosité relative est égale à 10 moins 2. On va en abscisse chercher la valeur 3 à 10 puissance 4, c'est celle de la ligne rouge verticale, et on va chercher sur l'axe de droite la valeur de la courbe associée à la rugosité petit r égale 10-2. Sur cette courbe bleue, on va regarder l'intersection avec la courbe verticale correspondant au nombre de Reynolds 3 à 10 puissance 4 et on obtient le point rouge qui nous permet de lire à l'aide d'une ligne horizontale rouge sur l'axe vertical de gauche, la valeur de petit f égale 4, 10-2.